Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 17ème épisode de Pokémon version Emerald. J'espère que vous allez bien, bah moi ça va plutôt bien. Bon alors, j'ai fait un peu d'XP et du changement dans l'équipe. J'ai remplacé un Pokémon, mon dieu, un Pokémon qui m'était fidèle. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, comme quoi, ça peut être utile si vous y êtes. Après si vous y êtes pas, je vous oblige pas à vous y inscrire, hein, évidemment. Vous êtes aperçu que j'ai eu la chance quand je faisais de l'XP de tomber sur un Pokémon extrêmement rare, mais qu'on a déjà capturé, mais vous allez comprendre, je vais vous le montrer qui c'est. Et là j'étais obligé de le mettre dans l'équipe là. Et c'est Absol. Pourquoi Absol? Je l'ai déjà capturé un femelle et je l'ai remplacé par notre fidèle Granilla. Mais pourquoi? On va cliquer et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Tout simplement un Absol chromatique. Voilà. Je faisais de l'XP entre Nune et Creek, je sais pas quoi, et la ville d'avant, là, j'ai oublié le nom. Où il y avait la championne d'arène de type vol. Du coup, je passais entre les hautes herbes j'allais me soigner entre les 200 Pokémon, tout ça. Donc, je suis tombé dessus, j'ai fait. Oh putain, c'est le deuxième chromatique que j'ai dans ma vie, hein. Ça, je vous le dis, c'est pour ça. J'ai dit, bon, j'adore Granilla, mais là, j'ai un Absol chromatique, je pense que c'est assez rare. Donc, c'est le destin, on va le mettre dans l'équipe, quoi. Voilà, alors pour les fans de Granilla, je suis désolé. Peut-être qu'on le réutilisera, mais là, je pouvais pas, là. Là, c'est vraiment. Ça serait con de pas, voilà, avec une chance comme ça, de pas le mettre en vidéo, quoi, ce Pokémon. Voilà, il est assez stylé, j'aime bien. Donc, voilà, alors je lui ai appris, du coup, je l'ai entraîné comme les autres. Alors, dans Slam, j'aime bien, ça augmente vachement l'attaque. Et j'ai pu lui apprendre Tonnerre, enfin, Pokémon à qui j'ai pu apprendre Tonnerre. Donc, c'est pour ça qu'il m'est très utile, Tranche et Morsure. Donc, voilà, je lui ai monté au niveau 38, un peu comme tout le monde. Armure aussi, il n'a rien appris non plus. Galégon non plus, un 39. Chamallow 38, bon, Azumarill, je sais que je vais le remplacer, je sais toujours pas par qui, mais bon, je l'ai monté quand même. Et Junko, bah, avec les Switch, évidemment, il est monté niveau 40, lui. Donc voilà, bon, alors, bon, on a un Absol chromatique dans l'équipe, c'est cool, hein, oui, vous pouvez le dire. J'ai une chatte monumentale, hein, voilà, on peut être grossier, on peut tout ce que vous voulez. Moi-même, genre, il me restait, j'avais de la chance, j'avais des hyperboles, il me restait 19 hyperboles, et il m'en restait que 4 à la fin. J'ai galéré à le capturer, en plus, j'ai cru que ne pas l'avoir. J'ai stressé quoi les amis. Bon bref, la dernière fois, on va se remettre de nos émotions. Hein. Ah bah oui que j'ai de la chatte quand même. Enfin, comme je disais, le seul chromatique que j'ai vu, c'était dans version cœur d'or sur DS. Et c'était un tentacule chromatique, c'était un peu moins sexy quoi. Mais bon. Voilà, c'est mon deuxième chromatique, je suis tout ému, c'est avec vous. Donc voilà, bon, je l'ai peut-être pas capturé en direct, mais bon. Si vous voulez voir, j'ai mis une photo sur Twitter. Et sur Facebook quand je l'ai capturé, voilà. Enfin bon bref. Donc voilà, dernière fois on avait botté le cul à la championne d'arène, voilà, Alizé. Et là on est arrivé dans cette ville, on avait battu la rivale et on n'avait pas fini de l'explorer, donc c'est parti. Ah oui, bah, on a le parc safari à faire. Oh, il y a trop de choses à faire. Bon allez, on va se balader tranquillou. Hein. Alors là on les avait déjà vus les vieux là. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Alors, moi je... je sais qu'il y en a et je sais pas comment c'est... Parce que je sais que des fois il faut certaines techniques pour les capturer. Je peux pas calculer le temps de pas, tout ça, alors je sais pas du tout comment j'ai fait pour là. Soit c'était complètement aléatoire, soit... Moi, je m'en remets toujours pas, hein, de ce Pokémon, hein. Parce que bon, c'est quand même un Pokémon assez rare à la base, qui est assez classe. Alors en chromatique, bon, voilà. Si le monde entier nous appartient, à nous, la team Aqua, ça sera aussi un endroit plus agréable pour les Pokémon. Mais je crois que j'avais déjà lu, toi. On peut pas aller à la plage, là. Je vais aller à la plage, moi. Non, on peut pas. Qu'est-ce que c'est ça? Hôtel Creek Crack. Souvenez-vous de nous comme les cracks de la Creek. Ah oui, j'avais déjà lu. Des jeux de mots pourris. Ouais, alors oui, on n'avait pas fait la partie haute. Alors ça, c'est quoi déjà? Exemple, l'effaceur de capacité. Ah, ça, c'est bien ça. À retenir, cette ville. Hein. Pour les CS, ça va être pas mal ça. Les Pokémon sont les partenaires des hommes. Ils ne sont pas nos outils. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas comprendre ça. Ah, ouais. On est dans un jeu vidéo, hein. Et Cléon. Oh, un papy tout seul, c'est pas bon signe. Quand on y regarde de près, les costumes me conviennent parfaitement. Et toi, une baie ça te convient? Et pourquoi donc? Une baie cerise, voilà, voilà, il donne des baies, ça sent un Pokémon. Là. Je vous dis les baies, c'est une histoire de folie ici. Si on veut trouver une explication, c'est parce que tu es un dresseur. Ok. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a ramené un plus gros butin dans notre planque secrète. Qui es-tu? Je parlais tout seul. Ok, t'étais tourné vers moi, mais tu me parlais pas. Tout va bien. Suis-je un sbire? Alors, je ne sais pas ce que le chef pense.
Mon état de la team à quoi je vais réaliser de grandes choses. Qui est-ce que je vais tout. Vous êtes fous les gens. Vous êtes fous dans ce jeu. Tu as entendu parler de l'étage caverne dans cette crique? C'est l'échelle d'une cavité naturelle. Mais c'était avant que la team Aqua ne vienne la restaurer. Ils se présentent comme les amoureux de la nature. Mais il y a une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ah bah ça. Oula. Quoi, qu'est-ce que c'est? Je suis pas encore viré, tu veux prendre ça? Bon. Inutile de dire que c'est la cité repos, hein. Je commence à la connaître celle-là. Ouah, dormir c'est essentiel à la santé, dormir reprendre des forces. Ça peut être une cité sympa, mais faut la maîtriser avec d'autres capacités. Tu sais que Ronflex la maîtrise très bien. Alors il y a peut-être des trucs. Et Kaker. Oh, ça vaut cher ça. Ouah non, c'est pour échanger un Pokémon pour faire évoluer, je crois. Ouais, mais bon, Pokémon qui m'intéresse maintenant. Ouah, c'est trop cool, on marche sur les flaques d'eau. Et là il y a un truc, Allez, allez, il y a peut-être un truc. Ok, non. Je sais, j'ai peut-être le cherche-objet, mais j'ai la flemme parce que je suis un peu de connard. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des bouées, des baleines? Là, Walmer, sortez de l'eau maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu perturbes notre entraînement. Alors tu pourrais pas dégarpir par hasard? Ah, c'est des Walmer. Ah, ça ressemble bien à des baleines. Ouais. Donc on sait d'où le sprite de surf, de qui il est inspiré. Des Walmer, c'est vrai que ça ressemble. Bon. Eh, on va voir si on peut leur parler, tiens. Oui, je suis simple et j'aime parler aux Pokémon. Faut communiquer avec les Pokémon, merde. Oh, on peut pas, oh, c'est nul. Bou. Attendez, tiens. Je dis que je veux capturer un Pokémon. Oh, on va essayer. Non, mais c'est vrai. Non, vas-y, Marie, il est cool, mais j'ai envie de changer. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pourquoi je m'énerve tout seul? Ne me demandez surtout pas pourquoi, je sais pas. Je suis encore traumatisé par mon Pokémon chromatique. Oh, mais je suis nul à la pêche, alors. J'arrive pas, là. J'appuie sur A, pourtant. Allez. Oh, rien de rien. Allez, allez. Ouais, on prend notre temps, tout va bien. Oh, mais je dois appuyer trop tôt. J'ai du mal avec la pêche dans ce jeu. C'était plus simple avant, j'ai l'impression. Allez! Ah, faut appuyer plusieurs fois, d'accord. Ton, ton, pom, pom, pom. Oh, oh, la chance! Un Magikarp! Et regardez ça. J'ai des étoiles. Quand. Bon, on va pas dégommer le beau Magikarp. J'aimerais bien avoir. Putain, j'avais pas pensé à ce Pokémon. Un écrapince. Vous voyez le homard là. Pokémon homard. Je sais pas où faut le capture. J'en ai pas croisé donc. Fuck pour le capturer. Hein. Ça peut être facile de trouver. Faut que je trouve un dresseur qu'on ait un. Enfin, combattre un dresseur qu'on a un. Et je pourrais le choper dans le Pokédex. Ça mord. Un Pokémon a mordu à l'absent. Mais ça parle de Titi Popette. Qu'est-ce que ça va être? Un Magikarp. Oh, en plus il est niveau 20 celui-là. Bon, on essaiera la pêche une autre fois les amis. Oh, il est diabolique en rouge. Hein. Bon, je pense qu'il y en a plein qui doivent le préférer de couleur normale en bleu, mais bon. Et oh, c'est par principe, c'est rare. Mais oh. J'ai de la chatte pour une fois, alors s'il vous plaît. Alors, on peut dire j'ai de la chatte, c'est pas parce que c'est pas sexuel, hein. C'est un chat minou, c'est tout. Centre commercial, marchandises à profusion et débordement d'enthousiasme, l'endroit idéal pour trouver tout ce qu'il vous faut et créer toutes ces thunes aussi. Oh là, un Azumarill, je vais acheter quelque chose à mon Azumarill pour recommencer ta victoire au concours. On fera un concours, je pense, un jour pour rigoler. Peut-être ça se trouve dans cet épisode. Aujourd'hui, ma maman va m'acheter de jolies choses, d'accord. Ok, vous vendez rien là? Vous êtes ici à la loterie Pokémon. Tous les clients de centre commercial peuvent retirer un billet de loterie Pokémon. Si le numéro de billet de loterie correspond au numéro ID de l'un de vos Pokémon, vous recevrez un beau cadeau. Ouais, hop, c'est parti. Faut avoir de la chatte. Alors, si le numéro correspond. Blou, 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 blou. Suspense. Quel dommage, ouais, faut vraiment la chance. Hein. Alors, des cheat codes, ça se trouve, je sais pas. Je n'y connais rien. En loterie, machin, ID, truc. Je vends des trucs. Madame, je veux vendre des trucs, s'il vous plaît. Hein. Ne m'importunez pas. Combien il me reste? Ah, 8! J'en ai racheté ou quoi? Ah, c'est vrai qu'il m'en restait 4. Bon, il m'en restait 8 en fait, excusez-moi. Hein. J'en ai usé moins que ça d'hyperbole. Mais j'ai flippé.
s'appelle Père Plan dans Jagard. Et Kaker. Une jolie écaille commandée par les collectionneurs. Oh, ok. Pépite, ça se vend ça. Ok. On va acheter quelques hyperboles et super potions. Allez, des hyper potions. Ça peut toujours servir. Pas trop parce que j'en ai déjà pas mal. Max repousse, ouais, ça me sera utile. Je sens que ça me sera utile. Moi j'arrête de tout dépenser là en potions. C'est bon. Bienvenue, patati pataplouf, des hyperboles bien sûr. Oh, j'ai grillé toutes mes thunes, ça fait chier. Carte sortie, je vais en prendre maintenant que j'ai plus grillé. Ça me fait triste, ça me fait chier de leur donner. Mais bon, là quand même, c'est obligé quoi. Je vais mettre ça seul dans mon équipe. Apprendre à utiliser correctement les objets, c'est vraiment la base de tout. Ouais. Putain, jeu vidéo fuck, hein. C'est pas des pixels qui vont pleurer. Avant que ça devienne une intelligence artificielle et que ça fasse comme Ultron. Enfin, ouais. Je vais loin, là je m'éloigne. J'aime bien m'éloigner, faire des parenthèses. Je parle tout le temps, moi, dans mes vidéos. C'est plus fort que moi. Autant si je les commente, faut bien que je parle et que je dis des conneries un peu. Oh, il y a eu un lag pendant que j'ai monté l'escalier, j'ai rien compris. Alors, ignore les dégâts. Force mystique empêchant de statut. Enfin, ok, ouais, c'est. Non, je suis pas intéressé. Alors. Ah ouais, déflagration, blizzard, fatal foudre et ultra laser. Ah, je me tâte, mais je verrai plus tard. Je reviendrai, j'achèterai CCT, ultra laser, ça me tente. Bordel de merde, c'est tentant ultra laser. Tapisseur, ok, là c'est pour les planques. J'en ferai une un jour, mais on verra plus tard. Poster ball, eh bien il y en a des trucs, qu'est-ce que c'est ça, poster Je crois que j'ai vu un poster à cailloux, non? Ah, d'accord, c'est avec un CVP, un truc comme ça. Bienvenue, patati patatou, coussin Pikachu, coussin machin. Putain, mais ça coûte des thunes! Putain, c'est pas donné! Bienvenue! Coupé Pikachu, non, Pichu, Pikachu, oh, c'est mignon! Un Sklilinox. Un gloopy, c'est trop gnon. Bon, là c'est vraiment gadget. Ah, ce serait bien s'il y avait quelqu'un qui me donnait laser glace, comme dans Cela de Paul. Quand je sers le monde perçu sur toi, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, de territoires à explorer, que j'aimerais vivre plusieurs vies à la fois. Je sais bien que c'est impossible, mais les journées sont trop courtes. C'est vrai. Ça me fait penser, si j'enseignais clonage un Tepoké, c'est pas mal clonage. Mais on verra plus tard, je vais y réfléchir. C'est encore des trucs que je ferai. Bogan peut créer un double de lui-même avec. Enfin, c'est comme tu veux. Ah là là, c'est vrai que clonage, j'y réfléchis et honnêtement, c'est pas mal. Oh, j'ai tellement soif. Ah, on va lui donner à boire et nous filer un truc, c'est obligé. Ils n'ont pas fixé de date pour le déstockage massif. Je regarde la télé, mais je n'ai pas vu une seule pub. Bon, on va prendre les trois boissons, ça va être toujours pareil. On va lui donner d'abord une eau fraîche. Hein. Ça se trouve, j'espère. Et si c'est comme c'est la Dopol, c'est génial parce que va nous filer un truc. On va voir si ça fait laser glace si je lui file de l'eau fraîche. Oh, j'ai tellement soif. Oh, d'accord, génial. Bon, ok, je me casse. Oui, bah oui, je suis un vieux jeu. On l'a plus comme ça, la CT13. La CT13 laser glace. Mais c'est trop une bonne attaque, ça. C'est vrai, j'adore cette attaque. Avec lance-flamme et tout. D'ailleurs, Chamallow devrait bientôt reprendre lance-flamme, hein, théoriquement. Musée Nénucric. J'ai du mal là. Exposition de la collection de chefs-d'œuvre Pokémon. Je suis un marchand d'art. J'achète et je vends des œuvres d'art, essentiellement des tableaux. J'ai entendu dire que le musée ici expose une magnifique œuvre. Oui, bah, on va voir ça. Waouh, un Roku. C'est un Rocarnage. Musée d'art, eh bien, tu peux y voir ce fabuleux tableau. Le conservateur est extraordinaire. Pour les artistes tels que moi, ce musée est une véritable source d'inspiration. C'est une réplique de sculpture connue. C'est un antique Pokémon oiseau. Vous êtes peut-être Articode, hein, alors. C'est une grosse Pokéball sculptée dans une pierre noire. Elle était apparemment utilisée jadis lors des festivals. Oh. Qu'est-ce qu'elle va me dire, madame? Payez 50 Pokédollars. Prenez le temps de... Ok, oui. Filez-moi les fossiles que j'ai pas pu choper. C'est une immense plaque de pierre, des Pokémon et un texte compact, écrit dans une langue ancienne. Indéchiffrables sont gravés dessus. Ok.
Un Pokémon avec des oreilles, pardon. C'est un plaisir d'affronter les Pokémon, je te l'accorde, mais il faut pas oublier notre amour pour les beaux-arts. Oh, 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 mais ça me plaît, hein, alors voir les tableaux. C'est la présentation du Pokémon d'un Pokémon de type plante qui vacille au vent. Disons, il a l'air d'aimer sentir la caresse du vent. Ce Pokémon est adorable, tout comme notre petit fiston. Ah bon? Cette dame est jolie, elle est comme ma maman. C'est la représentation d'une charmante femme avec un Pokémon sur ses genoux. Mmh. D'accord. Comme ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un Pikachu par terre et un grand machin vert à côté. Ah oui, c'est peut-être une nana, je sais pas. c'est de l'art, hein, faut pas chercher. Oh, ça c'est un Espico. Ça c'est un Espico, vous êtes d'accord? On va voir. Ah d'accord, c'est des B, génial. C'est une esquisse représentation de B, ce tableau donnerait fin. Mais ils sont fous que les B dans le jeu, ils les payent en ta... Non mais et, ils ont des problèmes avec les B. Hein. Ah, franchement, ils ont un souci. Hein. C'est un curieux paysage avec des vues étranges et fantastiques. Ah, oh, waouh, waouh, waouh. Et ça, c'est une baie. Un tableau très ancien. Peinture, c'est qu'ici par là. Ouais, c'est une baie encore, j'en suis sûr. Un tableau très ancien, la peinture, c'est qu'ici et là. Ok, ok. Ah, Princess Peach, là, peut-être, non, je sais pas. C'est la représentation d'un Pokémon légendaire de l'ancien temps. Issu de l'imagination du peintre. Ouais, je vois pas du tout qui c'est, là. Je suis le conservateur de ce musée des Beaux-Arts. C'est encourageant de voir quelqu'un d'aussi jeune dans notre musée. As-tu déjà vu notre collection de tableaux? Oui. Oh, tu m'as trouvé un sort de Pokémon. Tu t'intéresses également à la peinture? Bah oui, bien sûr. Ah, très bien. Tu aimes effectivement la peinture. Alors, tu pourrais peut-être me suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Une salle d'œuvre contemporaine. Comme il est facile de le constater, il n'y est pas le seul tableau exposé. Je ne souhaite pas exposer d'œuvres dites classiques ici. Les œuvres de ce type ont déjà place au rez-de-chaussée. Mon désir d'exposer des œuvres qui se distinguent de l'art classique. L'art, après tout, ne se limite pas aux anciennes œuvres célèbres. Cette salle, je désire l'emplir. D'œuvres modernes et pleines de vie, vraiment des Pokémon prêts à s'élancer dans une vie heureuse. Bon, bref, tu commences à me saouler. Je m'excuse, je n'avais pas l'intention de monopoliser ta conversation. Tu es jeune et tu as déjà beaucoup voyagé. Tu as dû voir des Pokémon pleins de vie et des œuvres dépeignantes. Si tu découvrais une telle œuvre, nous serons reconnaissants de bien vouloir obtenir la permission de. Donc tu me fatigues, hein. Bon. D'accord, un ornement rouge, d'accord. Alors, il va falloir trouver des tableaux. C'est une quête, en fait. Ok, c'est cool. Par contre, il parle trop le papy. Hein. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit, mais il faudrait que ça soit moins saoulant. Voilà, c'est tout. On peut dire des choses intéressantes de façon divertissante. Voilà. Comme on dit, on peut s'apprendre en s'amusant. Non, mais... Bouh, je m'énerve tout seul. Bon, ouais, bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, on va aller au parc safari, hein, fuck. Il y a le concours, ouais mais non. Allez au parc safari, on va faire des safaris. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Je vous ai déjà battu. Oh, qu'est-ce que ça va être là? Toum, poum, poum, poum. Oh, un pauvre Granilla. Et il est retourné dans sa niche. En plus, je l'avais monté niveau 38 là aussi. J'étais un peu blasé, mais bon. Après, il est terrible cet Absalon. Oh, il fera ses preuves. Puis qui sait, peut-être Granilla le remplacera, je sais pas. Je vous dis, hein, moi je change, hein, je... Pff. Selon mes envies, mes humeurs, le ci, le là. Ah là là. Ah hop, c'est là. Allez, c'est parti, on a le bloc machin, hop là. Donc on va y aller. J'ai rien fait, j'ai pas fait de poké machin, poké bloc. Tadam. Venez au parc safari, attrape un max de Pokémon, eh oui! Merci, voici Safari Ball. Oh, ça me manque, c'était tellement ça. Prendront quand votre safari sera terminé. Attendant, musée ouvert. Profitez de votre équipe et sauvage. Bon. Ah, c'est trop bien le parc safari. Bonne chance! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Ouais. On s'en fout, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que c'est ça? Une boîte? What is the. Oh, un audio! Mais c'est génial! J'en ai pas. Allez, on le choque. C'est quoi Pokéblock? Hein, faut en faire, hein, mais j'en ai pas. De toute façon, moi j'utilise pas les Pokéblocks, j'utilise les balls, moi direct, je suis pas patient. C'est comme les West et les Appa, comme ouais. Je vois, bah regardez, pas besoin de Pokéblocks. Ils font chier avec leur B là, ils nous font chier, ils nous donnent la diarrhée avec leur B. Je me rebelle. Même en dormant ou en mangeant, une de ses têtes est toujours en train de monter la garde. S'il se sent menacé, il est capable de courir à 100 km/h. C'est vrai que c'est un Pokémon original d'audio. Non. Il est passé, ok. Pas de soucis, je suis d'accord, dans la boîte. Hein. Vous pouvez placer un Pokéblock dans mon joueur, oui, j'en ai pas. Ok, bon, c'est pas grave.
Je suis sûr que c'est une utilité intéressante, mais... Oh non, mais un ortide, c'est bon, ça. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Lâche un bavoir et on en reprend là. Putain, mais il y a plein de trucs ici. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi tout ça? J'aimerais bien continuer plus loin, mais j'ai oublié d'apporter un vélo. Quelque chose me dit... Faut que j'utilise un vélo. Hop! Ok, et je peux rien faire? Comment on fait? Ouais, bah fuck. Fuck, vous savez, moi le vélo, hein. Dans ce jeu, c'est pas une histoire d'amour. Tant, pom, pom, un mystère. Il est très bien, copain. Non, je te veux pas, c'est bon, je t'ai déjà capturé dans d'autres versions. Voilà quoi. Reposez-vous, refuge, ok. Vite, on est fatigué, allez, à prendre. De toute façon, je vais refaire une partie parce que j'ai tout gaspillé mon temps. Oui, d'accord. Ah ok, d'accord, ah, ça pourrait être des Pokémon. Mais j'en ferai alors. Pas de Pokébloc, patati patatouille, voilà. Et des fois il parle trop. Jordan, oui bon, hein. Sans vous, c'est pas la cocaïne, dans le jeu c'est les baies, hein, votre délire. Hein. J'ai compris. Y'a pas nombre de pas, c'est nombre de bols, je sais pas. Ah dans l'eau. Peut-être des Pokémon intéressants. Non, je vais essayer de pêcher. Oh, psychoquack! Oh, on va le capturer. Ça se trouve, on peut le prendre, on sait pas. Ah, mais c'est cool, un psychoquack. Remarque, ça serait peut-être pas mal, un psychoquack. Ça me va tellement bien, ce Pokémon. Ah non, il fuit. Oh, le vilain. Bah, c'est vrai, je crois. Alors, j'ai le droit de prendre un Pokémon de la première génération. Je suis désolé. Voilà. Hein? Ça peut être rigolo, un psychoquack. Psychoquack. Allez. Ah, mais celui-là, il est niveau 20, c'est nul. Bon, il était niveau 29, l'autre. Et bien sûr, ça va le capturer. Eh ben, va-t'en, moi je veux un plus haut niveau, c'est tout. Hein, après, c'est faut se taper l'XP, merde. Hein. Oh. Non, mais oh! Mais je suis énervé aujourd'hui. Ah, niveau 30, c'est sympa là. Quack. Quack. Et ben voilà. Ah. Non mais. Tout. Des boires étranges quand ses maux de tête s'intensifient. Il n'en garde cependant aucun souvenir. Il a toujours l'air confus et désorienté. Oh le pauvre. Il est tellement rigolo. Bon. On va utiliser la super canne, on va voir ce que ça fait. Non, pas ça. Non, c'est pas un nombre de pas, ça doit être du temps, je sais pas. Non, mais là, je perds mon temps. Et oh, nouveau son de Mario. Oui, c'est moi, c'est ma génération. Ceux qui sont nés dans les années 90, comprendre. T'es mort. Oh, ça mort. T'es mort. Oh, il a mordu à l'hameçon. Poum, poum, poum. Poum poum, oh, Magikarp. Magikarp, Carp. Non mais non, c'est bon. Une autre fois, hein. Une autre fois, un autre jeu, tout ce que vous voulez. Mais pas là, je prends une Magikarp. C'est tout, c'est comme ça. Oui. Oui, c'est mort. C'est mort. Oh, c'est mort. C'est terrible. Oh, poissirène. Bon, je vais surfer parce que ça n'a pas l'air très efficace la canne. La super canne. Bon. On refait un petit tour, hein. Bon, on va voir si on trouve autre chose que des petits coquacs, sinon on se casse. On se casse. On est vilain. On est comme ça. Non. Et on prend un mâle et les fait reproduire. Non, ça sert à rien, c'est pas trop intéressant. Bon, un dernier coup de surf et après je me casse. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère toujours tomber, je sais pas, sur un mini Draco. Oui, ça y en a pas dans le jeu. Je sais. Bon, bah on va ailleurs. On va se balader. Oh, que je suis vilain, j'ai sauté les trucs. Un dodio. Oh, j'en ai déjà un. Peut-être que j'aurais faire des trucs avec les Pokéblocks. J'aurais m'y mettre, j'aurais cédé à l'appel des baies. Oh oui, les baies.
Bon. C'est pénible ça, ces trucs-là. N'importe où. Comme les mystères, c'est comme les mauvaises herbes. Hein. C'est... Oh oui, j'ai fait un sale jeu de mots. Ah, mais j'ai un vélo de ouf, moi. Hop là. Hop là. Eh, c'est classe, ça. J'ai bien fait de l'eau, j'ai bien fait de le garder, ce vélo. Mais, on veut... voilà, ça me stresse à trop vite. Don, 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 don. Mais c'est... Non. Mais t'es mignon, mais je ne te veux pas. Ah bon, c'était sympa, on tombait sur des nidorino, des taureaux, des rhinocornes. Ah, voilà. Ah bah là, ça, on va chercher à le capturer, celui-là. Merde. Ah, j'aime bien ce Pokémon, j'ai jamais pris. T'es. Mais je crois qu'il peut apprendre surf en plus. Hein. Je crois que je vais le prendre, hein, je vais craquage mon slide. On sait pas. Hein. C'est, vous savez pas ce qui peut me passer par la tête des fois. Rhinocorne qui commence à courir ne s'arrête jamais. Il est si stupide là, qu'il oublie tout le temps pourquoi il a construit. Oh, mais c'est mignon, Rhino. Car moi j'aime bien. Mais je le trouve mignon. Non. Mais je l'aime bien quand même. Peur de nous, mais oui, oui, j'ai Galigon déjà dans le même style. Ok. Mais. Non. Ah non. Ah non. Je suis pas d'accord. Non. Je reviens. Je suis pété de thune. Ta gueule. Donne-moi. Oui. Vas-y, hop, c'est bon. Capture un rhinocorne, un psychoquack et un dodio, mais ça me suffit pas. Je trouvais un Mewtwo sauvage. Voilà. Je sais pas, un canne artichaut avec 4 poireaux à la place d'un. Voilà, chromatique. Voilà. Qu'il soit vert le poireau, belly bleu. Tout simplement. Non, je sais pas. Tom, poum, poum, poum. Non. Un jour, je vais le capturer pour le faire payer. Donc c'est une question de temps, je crois. C'est pas une question de pas. Comme dans les vieux jeux. Oui, je suis vieux jeu, moi, comme garçon. Oui, on va dans l'eau. Allez. Oh, un objet rare et ancien. Oh, merde, faut que je... Oh, un rappel, Max. Ça peut servir. Hein. On va pas se moquer. Ça peut servir. Allez, plouf. 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 Allez. Je sais pas moi, un tortank sauvage, allez, ce serait pas mal ça. Et merde. Oui, mais non. Oui, mais non. Voilà quoi. Voilà, voilà. Oh non. Non. Bon, t'es pas ben de surfer de plus loin. Y'a que des psychoquacks. Psychoquacks. Allez hop, on monte. On revient où. Voilà, j'ai trouvé le rhinocorne. Ah zut, faut le voir de haut. Bicyclette. Hop là. Alors qu'on va se balader. Et là, il y a un truc, je suis sûr qu'il y a un truc. Eh ben non, il y a que dalle. Ta-na-na-na. Tom, poum, 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 poum. Oh, un rhinocorne. J'en ai déjà. Qu'est-ce que t'as là? Il va me parler des baies. Tu devrais mettre des bokeh-blocs dans ces machins. Et t'auras... Voilà. Hein, un zigzaton sauvage. Ah mais il me saoule. Je parie qu'il va parler de pokeh-blocs ou de baies. J'en suis sûr. Poufou. J'ai réussi à venir jusqu'ici mais... Je suis épuisé, j'ai plus la force de rappeler des pokeh. Oh, je suis tellement traumatisé par ces gens avec leurs baies, leurs pokeh-blocs. Ton, 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 ton. Bon, tu me saoules, je te capture et t'arrêtes de m'emmerder. Hein. C'est bon. Tu veux venir à la maison, bah viens. Allez, hop. Donc, on vous a rempli le Pokédex. Allez, hein, une bonne action. Voilà, maintenant j'espère qu'on nous fout la paix. Faut qu'on grandit en absorbant la lumière de la lune. La journée s'enfouit sous terre pour se cacher et ne laisse dépasser que ses feuilles. Non. Ok. Ah, je voulais me partir. Tintin. Il n'y a pas des taureaux ou des trucs comme ça. Oui, allez, hop.
on peut, voir ce qu'il y a là dans ces hôtels. Ortiz. Allez, bon, le shop aussi. De toute façon, faut bien que ça serve. Comme ça, la flemme de faire évoluer le mystère, mon shop direct. Bon, allez, on se casse pas. Et, oh, pas déconner non plus, hein. Faut pas se battre pour un Ortiz. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là? Il y a un truc. Okay. Ah, il y a de l'eau là-bas. J'aurais dû. Je veux que j'aille voir l'eau. Non, mais j'étais déjà, toi. C'est bon. T'es mignon. Merci. On verra ça une autre fois. Poum, 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 poum. Bon, j'ai rien de bien par le rhinocorn. J'ai rien trouvé de bien fameux là. Voilà, c'est pas la fête du slime ce safari, hein. Oui, je suis sûr qu'il y a des Pokémon rares que je sais pas où ils sont. Je me doute bien. Ah. Ouais, bon, il y a que des quacks dans l'eau. Quack. Mais voilà quoi. Oh, bah ça valait le coup. Ah bah. Hé. Hey. Je me plaignais qu'il y en a un qui savait. Qui avait pas de très bonnes attaques. On sait avec qui on va le donner, hein, cette attaque. Mais je crois qu'il peut pas la... Ah, même s'il l'avait pas, peut-être quand même, c'est un parce qu'on... Il apprend pas de lui-même, faut lui apprendre par ça. Oui. Balgren, hein, voilà. Ça, on se débarrasse. Voilà, bah voilà, c'est une bonne attaque, ça. Ça fait plaisir. Bon. Il est pas venu pour rien. Tum, tum, tum. Oh là là. Tout ça une musique si épique pour un Ortiz. Ça a bien sonné, je sens que ça a sonné bientôt. Je le sais, je le sens. On aura au moins du lance-soleil, c'est cool. J'ai réussi avec la canne, c'est dommage que je joue bien, je joue que des magicards quand même. Ça me travaille. Maintenant que j'ai compris comment on peut pêcher. Super canne. Faudrait que je roule la méga canne, ce serait mieux. Allez, rien de rien. Rien de rien. C'est mort. Oh, c'est mort. Oh, il a mordu à l'hameçon, trop fort. Trop, trop fort. Voilà. Youhou. Waouh. Ouais, bon. Oh, allez. Oh, putain. Ah ouais. Là, 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 ça fait du bien un peu, hein, ça soulage. Oh non, le vilain, vilain, vilain. Vilain, pas beau. Mais je te veux quand même, parce que t'es rare et balèze. Ça vaut le coup, un Scarabrut, merde. C'est balèze, un Scarabrut. On le prend pas assez, ce Pokémon. Bon allez, mais laisse-toi capturer, non je te donnerai pas de BO de Pokéblock. C'est bon, ça fait grossir, ça rend con, voilà, c'est tout. Et ben voilà. Ah là, je suis satisfait, Rhinocorn, Scarabrut, petit cocoac, Dodio. Là, c'est bien. Et mystère, c'est vrai. Ces pins sont assez fortes pour détruire de grosses bûches. Comme ils n'aiment pas le froid, ils s'enfuient sous terre lors des nuits fraîches. Non. Ah, c'est un bon Pokémon, ça. Je kiffe. Je kiffe, j'approuve. Ding dong. Oh, bah ça va, je suis content. Bon, je suis content de mon safari. Hein. Alors, on va aller voir ce que c'est. On va déposer un Pokémon pour... Oui, mais voilà. Bon, toi, tu vas... Je veux juste regarder les autres. Juste voir les attaques qu'ils ont. Quack. Ciel gris, ignore les effets du climat. C'est pas mal, ça. Il y a que choc mental. Mini que écrasement, furie, grimace. Oui, bon, voilà, toi, je te connais. Oh. Marie, il ferait bien me servir à la ligue. Hein. Faut que j'y réfléchisse à la ligue. Parce qu'il a des attaques combat et... Y a un mec qui est de type ténèbres. Ouais, ça peut être pas mal.
On va voir. Bon, pour l'instant, toi, je te reprends. Hop. Pas mal le scarabrut. Et le rhinocorne, j'ai envie de le faire évoluer. On verra. Vous savez. Avec moi, tout peut changer. Hein. Du jour au lendemain. Bon. Il y a des trucs à faire, j'imagine. Et on va devoir aller à la tour là-bas. Putain, c'est un bleu foncé. Mais oui, mais allons-y. Allons-y en avant, Guingamp. C'est bien éclaté. Poum, 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 poum. Dans ta gueule. Ah, j'ai mis armure devant. C'est pas très judicieux comme ça. Non, 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 non. Ah, y'a un truc là. Je m'en fous de la grotte, y'a un truc là. Ça me stresse. Dans ta gueule. Ah d'accord. Mon mémoria. Je suis où sur la carte là? Ça me dit quelque chose. Ah ok, ok, ça fait revenir. Ok, ok. Ok, ok. Les suites qui marchent à tous les coups. Hop. Alors, on va mettre hop, Absol devant. Il y a des Pokémon type eau. On va tester tonnerre un peu. Non, 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 non. J'étais déjà toi, donc non. Hop, morsure, ça va lui faire mal. Voilà. C'est ici que repose mon exaton. Oh non, le pauvre, c'est un endroit que je chéris. Tu es là pour présenter tes respects aux esprits des défunts Pokémon. Tu dois prendre grand soin de tes Pokémon. Oui, je sais, c'est bon, ils sont pas encore morts. Ouais. Un peu, voilà, l'avant-ville. Le Pokémon émeraude, quoi. Non, de OM, c'est plus correct. C'est plus correct, excusez-moi. Hein. Je ne veux pas aller en prison. Waouh, c'est trop cool, il y a de l'herbe. Quelque chose me dit que j'aurais peut-être pu monter sur la tour. Échange. Je connais pas le concept, mais pourquoi pas. Et là, il n'y a pas des Pokémon rares. J'aurais peut-être dû monter plus haut, là-haut, je sais pas. Et escalier. Je trouve que ça mène au même endroit. Parce qu'il y a deux chemins différents, Franchement, alors là, les gens, je l'ai fait une fois ce jeu. C'était très long, il y a très longtemps. Des souvenirs très flous. Oh, une tombe dorée. Oh, il y a de la brume. Oh, mais c'est stylé. Pas sûr, Max. Allez, bah ils mettent des hyperboles dans les tombes. Bah. Bonjour, le respect des Pokémon. Hein. Ah là là, les vilains. Oh, bon, je pense que je suis au bon endroit. Il faudra que j'aille faire un tour en bas, voir ce qu'il y a. Des membres de la team Aqua. Ah, dommage pour toi. En arrivant plus tôt, tu n'aurais eu que cette minable Team Magma à affronter. Mais maintenant, tu vas devoir nous affronter, nous, la redoutable team Aqua. Vous la pétez un peu. Ça vaut pas la Team Rocket, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gens, perso, mais... Hey, Carverna. Écoute, j'ai une bonne attaque tonnerre pour te faire plaisir. Ça va, là, c'est l'avantage, c'est qu'Absol peut apprendre des attaques un peu élémentaires. Et ça m'est utile, parce que ça me manquait, ça. Tantan. J'aurais dû te laisser affronter la Team Magma en premier. Tu connais rien, arrête de nous ennuyer. D'accord. Non, la Team Magma est arrivée avant nous. On ne peut pas toujours arriver après eux. Ah bah ouais, écoutez. Vous êtes con, votre team. Tant, tant, pam, pam,
pas, mais disons que là j'aime bien. Les pirates des autres. Je sais pas à quoi ils ressemblent, mais j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Tonnerre. Tonnerre, c'est pas mal. Bam. Voilà. C'est fait, ça c'est fait. Je pensais que t'étais de la team Magma. Bah non. Non. Bah non. Je suis mignon. En effet, tu es une grande force, mais nous sommes nombreux. Hé, je me rappelle de toi. C'était au Mont Cheminée. Tu ne fais partie d'aucune team, alors que fais-tu ici? Oh, je sais. Tu voulais faire partie de la team Magma, mais ils ne nous ont pas voulu de toi. Je ne pense pas non plus vouloir entrer dans la team Aqua. Eh, oula, j'ai mal lu, là. Je suis désolé. Merde, c'est un combat double, je sais pas qui j'ai avec moi. Oh, un Welmer. Oh, ça pourrait être pas mal, un Welmer, je sais pas. Galégon, d'accord. Oh, ça fera la fière. Alors, tonnerre pour toi, et pour toi, un bon bélier. Il est colère, hein, quand même, Absol, j'aime bien. Il a un regard genre... je vais te buter. C'est choquant. C'est vrai qu'en plus, il a une histoire, j'ai regardé, particulière, ce Pokémon. Chaque fois qu'il descend de sa montagne, il annonce un désastre. Une apocalypse, un truc comme ça. Voilà. Je suis content quand même de l'avoir dans mon équipe. En plus, en chromatique, ça c'est cool. Bah bah bah, il est vilain, lui. tonnerre pour toi, parce que là, peau dure, ça va faire chier. Ah, je vais faire tomber roche pour mon Sorabtu, mais bon, ils sont levés, là. Ça va pas être bien méchant. Je pense que Galégon va évoluer pas dans cet épisode mais dans le prochain. Parce que je crois que c'est niveau 42, je me suis renseigné. Le Chamallow aussi devrait prendre lance-flamme et après je pourrais lui enlever sa pierre stase et le faire évoluer. Tu dois gêner quelqu'un, que ce soit au moins la team Magma. Mais je le gênerai aussi, t'inquiète pas. Si tu tiens tant que ça à faire partie de la team, on va y réfléchir. Je m'en fous un peu. Il y a une très bonne entente entre nous et notre chef. Et c'est pas grave, on a gagné du temps. À l'heure qu'il est, le chef a dû réussir à obtenir ce qu'il voulait. Eh, il embête des vieux, non mais oh. Max de la team Magma était plus rapide que nous. Et nous avons aussi ce que nous voulions. L'orbe rouge du Mont Memoria. Et enfin notre possession. Nous pouvons maintenant accomplir notre ultime objectif. Ok, à tous les membres, repli immédiat. Oh, je croyais que j'allais le combattre, moi. Oh non, c'est pas possible. Après l'orbe bleue, l'orbe rouge a également été dérobée. Il faut jamais séparer l'orbe bleue de l'orbe rouge. Ils forment un tout. Qu'est-ce que ces hommes veulent faire avec ces deux orbes? Ah oui, c'est bien la team Magma qui est d'abord venue voler l'orbe bleue. Eh bien, dans leur rate, ils ont oublié ça derrière eux. Je n'arrive pas à voir à quoi ça peut servir. J'aimerais que tu le prennes, ça pourrait être très utile. Un saut Magma. C'est la rigolo. Au Mont Memoria, les esprits des Pokémon trépassés sont apaisés. C'est un endroit à la hauteur où on domine toute la région de Hoenn. L'esprit désincarné doivent y trouver réconfort. C'est une coïncidence que tu sois là. Veux-tu entendre mon récit? Un récit raconté, ouais, ça me donne un truc, oui. Tu sais, il y a très longtemps, le monde était ravagé par un conflit acharné entre le Pokémon de la Terre et le Pokémon de la Mer. Le Pokémon de la Terre érigea des montagnes et créa des continents. Le Pokémon de la Mer souleva des vagues et découpa les océans. Oh, ça rime. Le duel acharné sévissait sans fin. Le monde fut englouti par de violentes tempêtes et des brésiliers ardents. L'orbe bleue et l'orbe rouge mirent fin à ce désastre. Et la lumière saillit de ces deux orbes et apaisa les adversaires furieux. Puis les deux Pokémon finirent par disparaître dans les profondeurs de la Terre. Waouh. Bon. Ok, merci. Merci de l'info. Regarde juste s'il y a des objets parce que je suis rapien, hein, je suis un dresseur Pokémon. Quoi. Ok, il n'y a que dalle. Hein. Oui, moi je suis dans les tombes. Hein. Désolé. Quand on. C'est ça de jouer à des jeux vidéo. Et... ok, bon, il n'y a rien d'intéressant. On se casse. Non! Non! Je veux pas. Non, tu fais peur. Non. Brrr, il fait peur. On va prendre une repousse parce que je sens que ça me fait chier. Il n'y a que des machins là. On voit toujours le même Pokémon. Allô, quoi. Allez hop, on a oh, la paix comme ça. Ah, voilà. On va voir quand même ce qu'il y avait là dans l'escalier. Je pense qu'on va arrêter l'épisode là.
Sur magma, qu'est-ce que c'est que ça? Un objet pour t'en marquer, c'est peut-être pour rentrer dans leur du coup dans leur grotte, dans leur team. Ça peut être pas mal. Oh non, il n'y a plus de brume, c'est, ça fait moins mythique. Enfin, mystique, mythique, mystique. Tom, tom, tom. Il y a un paquet de dresseurs là à se faire. Allez, en avant Guingamp. Et tu cherches des Pokémon? Alors tu m'as trouvé, quelle audace! Je suis bien content pour toi, mais... Rhinocorn. Ah, c'est original. Bon, par contre, Absol, tu vas pas trop faire le poids là contre Rhinocorn. Jenko. D'ailleurs, ce que ça donne dans ce soleil, tiens. Allez hop. Oh, il m'a craché un caillou. Le vilain. Hé hey. Ah mais... Arrête avec tes Ferrero Rocher, toi. Ah mais... Oh. C'est pas Noël, là. T'es déconné. Allez, on va tester lance soleil, tiens. Waouh, il rayonne. Ah ouais, tu m'écrases, moi je te lance le soleil. Ah, c'est intéressant comment ils l'ont fait dans cette génération. C'est vrai que ça fait des petites particules de soleil. C'est assez marrant. Bien fait. J'aime bien. C'est délicat et puissant. Ah, désolé, je t'en prie. Des gens, non, rarement ici, je me disais qu'il y aurait des Pokémon rares. Tout. Ah, je suis si terrifié. Pourquoi j'ai rajouté si dans ma phrase? Un karatéka. Ouais, alors c'est pas un bon plan pour Absol. Décidément, hein. Absol, t'as pas de chance. Hein. Mais bon, on va mettre Chamallow, tiens, même s'il est pas spécialement avantagé, mais faut qu'il monte de niveau. Faut qu'il apprenne lance-flamme, c'est tout. Mais oui, perd ton corps, c'est pas grave. Eh, mais ça fait mal! Je suis pas d'accord. Brûle! Vilain. Vraiment vilain. Ok, ça fait que dalle. Vilain. Oh, ah non, mais il va évoluer du coup. Oh, le vilain. Alors là, ah, c'est un vilain lui. Oh, hey, dis donc, méchant. Non mais, enculé. Ce Pokémon est un enculé. Je suis désolé. L'enfoiré. Ah, il est vilain. T'as en plus. Non mais oh. Oh putain, mais ça, j'ai du genre de cette attaque, ça me stresse. Super, sympa. Oui, vous pouvez voir que l'âme fait plus de PP, j'ai donné un PP plus à cette attaque. J'ai l'impression que ça n'a pas rapporté qu'un. Enfin voilà, j'ai 18. Je peux l'utiliser 18 fois maintenant, l'âme fait, c'est cool. Non, j'ai perdu toute confiance en moi. Bien fait pour ta gueule. Vilain. J'ai peur dès que je vois quelque chose bouger. Je n'aurais pas dû venir m'entraîner ici. Je ressens un malheur, pars avant qu'il ne soit trop tard. Tum, tum, pum, 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 pum. Oh, une sorcière. Mais tu me feras toujours moins peur. Oh, un cochon. Un cochonneau. C'est vraiment le Pokémon fait à l'arrache. Hein? J'aime pas ça là. Je sais pas ce que c'est, ça me stresse. Je suis sûr que ça va me retomber sur la tronche. Ah non, je crois que ça allait me refléter la tête. J'aimerais la reprendre dans la tronche. Plutôt coriace. Il n'y a rien de plus dramatique que mon Absol rouge. Dans ma famille, nous sommes dresseurs depuis des générations. Ils m'ont d'abord protégé cette montagne. D'accord. Mais j'ai rien dit. Karl, c'est un défi. Et si je lui prouve que je suis génial, elle tombera amoureuse de moi. Je le sais. Je sais, je vais mettre, te mettre la pâtée pour lui montrer que je suis génial. Ouais. Prépare-toi au râteau alors. Hein. Puis à perdre. Oh, vous êtes tous les deux. Un jeune couple. Des Keltis, les Sprint. Oh, mais ils ont des bons Pokémon, les salauds! Bon, bah alors, voyez les miens. Bien. Ouais, tranche. Et toi, tombe roche.
Boum, 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 boum. Non, 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 non. Oh non! Ah, c'est vilain! Ça, c'est vilain de faire ça, je suis pas d'accord. Non, Galégon, elle est mignonne, mais tombe pas amoureux. C'est bon. Y'a pas que le physique qui compte d'abord. Voilà quoi. Eh, c'est pas très gentil de faire ça. J'aime pas les pichenettes. Oh non! Oh, je vais bien me faire paralyser, je sens. Ah, c'est bon. Ouf! Carl, oh là là! Bien fait. Comme quoi. On a perdu, mais c'est pas grave. Je reste avec toi, on va y arriver. Oh, c'est même tendrement, alors on s'en fiche de perdre. Mais écoute, tant mieux pour nous. Des ambitions bien plus élevées que les vôtres. Je dois sauver le monde, moi. Qu'est-ce que t'as à toi? Un souci? Oui, 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 des trous perçables le sol ici et là. J'avais pas fait attention, je suis tombé de l'étage du dessus, d'accord. Faut être con, en même temps, ils sont assez gros, les trous. Faut être bon con, mon pauvre gars. Je suis bien méchant, aujourd'hui. Eh, tu m'as même pas combattu, toi? Quoi? Souvenir de mon cher Skitty, à sa pensée, les larmes viennent. Ah, d'accord, j'ai déjà fait. Il y a des dresseurs partout, c'est la fête. Ok, Oh, je crois avoir un combat. L'air pur de la montagne a augmenté mon warp psychique. Un petit mioche comme toi, tu rêves de gagner? Je sais pas, je rêve. Mon rêve est une réalité, mon garçon. Oui, c'est un Pokémon rare, mais moi j'aime mieux. Hein, boum boum baboum, hop là. Pas de comme psy et spectre. Hein. Ça change un peu. Bon, je sens qu'il va nous faire toutes les évolutions. Ouais, ouais. Ah non, Tarsal encore. C'était joli, ça aurait été bien d'avoir un garde-voir. Allez hop. On torche ça très vite. Hein. Alors si je Kiri. Ah oui d'accord, il a au moins l'évolution, ouais. Une évolution. Première fois qu'on en voit un, je crois. Dans ce flamme, je pense que je le garde parce que la ligne ça peut me servir. Avec morsure, si je booste vraiment l'attaque, ça peut faire très mal. J'ai honte de moi. Les pouvoirs psychiques ne sont pas sans doute accrus, mais. Super repousse, ok, ok. Ça oui, c'est un Pokémon, ok, ok. Je sais. Qu'est-ce que tu viens de faire ici? Bah, je sais pas, je vais me balader, c'est tout. Alors, ça va être un long combat, ça. Un petit coup de tonnerre, pour la peine. Hop, zigzaton. Allez, tranche. Je pense que je vais faire dans slam pour les one-shot d'un coup. Oh, ça va même pas besoin. Allez, tranche. Oui, oui, ça s'enchaîne. Bon, ça, c'est les combats que j'aime pas du tout. T'as des 1000 Pokémon qui sont pas évolués, qui rapportent rien d'XP. Et voilà. Ça fait pareil. Inupur, moi, ça, je pourrais le prendre, mais bon, il est haut et plante. C'est un type intéressant, mais vu que j'ai déjà un Pokémon plante, c'est pour ça qu'il est. On balle pas plus que ça. Mais bon, ça pourrait faire un Pokémon haut, hein, à voir. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Lui. Bon, il est un peu cheaté là. Je le garde parce que j'ai la flemme de le changer. Le tonnerre. Hop. Allez. L'affaire est dans le sac. C'est époustouflant, tu es un adversaire d'exception. J'aimerais revoir tes Pokémon quand ils auront plus d'expérience. Laisse-moi avoir ton Pokéneuve. Oh, voilà, ça m'agace. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'espère qu'il y a un truc de ouf, hein, j'ai pas fait ça pour rien. Non mais oh.
D'accord. Je te parle pas, hein, ça fait un combat. Mais c'est immense ce truc. Alors, hop. Utiliser. Hop là. Hop, excusez-moi, petite coupure téléphonique. Vous avez vu la souris, vous avez rien vu, hein, comme on dit toujours. Donc voilà, mais faut bien filmer. Hein. Qu'est-ce que je voulais. Que voulez-vous que je vous dise? T'as vu ma belle petite souris. Oh, il y a un truc. Elle est d'une couleur différente. Ah, on peut pas passer. Bon, lui, ça a des Pokémon de combat. Hein. Ça se voit à sa tronche. Hop là. Professeur, regardez le progrès que j'ai fait. Ton, ton, pom, 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 pom. Ouais. Ah oui, il m'a cassé les pieds tout à l'heure. On va pas être gentil. On va pas être copain. Aréo, piqué. Hop là. Oh, mais c'est vraiment un vilain. Voilà. Puni. Pardon, professeur, pardonnez-moi. Mon prof qui repose ici ne trouvera la paix que lorsque j'aurai progressé. Ok, tuk 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 tuk. Galégon, ordre. Hop, on va le mettre un peu devant. J'aimerais bien qu'il évolue, ce serait cool. Putain, mais il y en a des combats ici, hein, c'est fou. Bon, allez, retournez-vous en même temps. Voilà, c'est un combat double, ça sera drôle. Quand je suis ici, un étrange pouvoir s'empare de moi. Est-ce que tu as perdu ton chemin? Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est tellement gentil. Comment lancer parmi Valeria et Cyril? D'accord, ok, ok. Cul but ok. Oh, mais c'est pour la fois qu'on le voit, lui. Ça fait toujours penser au dessin animé, hein. Ça c'est obligé. Bon, j'ai pas forcément les types avantagés, mais bon. Oh Galégon, putain, mais sa précision, Galégon. Faut vraiment que je l'améliore sa précision, parce que c'est catastrophique ce Pokémon. Une précision, mais caca. C'est caca, c'est nul, du caca dans les yeux. Ton. Ah, ça c'est pas bon ça. En gros, s'il meurt. Ah, bah non. Je suis pas d'accord. Non, non. Oh putain, le bâtard. Il va mettre un Pokémon KO. Oh le vilain. Ah, c'est un vilain. Ah, c'est un vilain. Ah, il est vilain, pas beau là. Alors, soit ça met deux KO. Je suis blasé. Putain, un chapeau quoi. D'accord, de la Galégon est mort. Non! Ah putain, je crois qu'il allait mettre armure aussi. Putain, il a mis mon. Comme quoi, faut s'en méfier des cubes butoqués, hein. Oui, putain. J'ai perdu ce match. Ouais. Faites chier avec votre Pokénave. Hein. Franchement. Ça, il est B, hein. Je pensais qu'un dresseur perdu serait plus facile à battre. Je m'étais trompé, je ne recommencerai plus. Bon, de toute façon, j'en rappelle Max, donc ça tombe bien. C'est abusé quoi. Faut se méfier des culbutes, ok. Ah. Ballombre. Eh, c'est intéressant ça. Peut-être pouvoir l'apprendre à Absol. Intéressant. Genre tous les bons objets en fait. En sans doux. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Prends du bas, celui du haut et hop, celui du bas. J'ai pris le bon. Je suis content. En sens mer, ça va améliorer les attaques. Oh. Tchou. Ok. Là, je retombe dans le trou. Bon, ben, franchement, très bon épisode, riche en émotions. On va les soigner.
Je pense que là-bas, du coup, vu que j'ai croisé la team Aqua, ça, le truc des Whelmer a dû se débloquer. Donc la prochaine fois, on va aller casser les dents à la team Aqua. Hein, ça va être ça le programme. Tout simplement, voilà, je pense que. Alors. Ah, bah l'ombre, je vais la prendre à Absol. Je vais voir s'il peut la prendre. Je pense qu'il peut la prendre quand même. Ça serait un peu triste s'il puisse pas la prendre, cette attaque. Très bonne attaque spectre. Alors, on va voir ça. Un objet tenu baissant un peu la précision de l'ennemi. Ah, c'est bien ça. Objet tenu montant un peu la puissance des attaques. Oh. Ah, sens d'où j'apprends, je vais donner à quelqu'un. En donner, oh, c'est bon, utiliser, donner. Qui n'a pas d'objet? Qui n'a pas d'objet? Absol, il n'a pas d'objet. Ah, ça peut être Vislar, ça, justement. Je vais lui donner ça. Et hop, ensuite, Balombre. Ouais, 80, précis en 100, 80, ouais. Oui, très bonne attaque. Tu vas me la prendre tout de suite. Alors, quelle capacité? J'ai envie de garder dans Slam. Pas mal. Je vais enlever tranche. Les morsures, je le garde, c'est une attaque ténèbre, je la garde. Voilà. Putain. Bon. Eh ben, c'est un épisode ouais, très long encore, comme souvent, mais j'ai du mal à lâcher le jeu. Il est bien. Franchement, c'est une très bonne génération. Bon, ben voilà, on va se quitter là, quoi. Donc, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et oui, le vert. L'herbe, la nature, voilà quoi. Voilà. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. C'est gratuit, ça permet de suivre les vidéos. C'est trop cool quoi. Voilà. Et on est super nombreux. Et un jour, on conquérera le monde. Et oui. Non, je déconne. Quoique. Peut-être. Bon. Et puis surtout, bah, l'essentiel, prenez soin de vous. Hein. Voilà, faites la fête, profitez de la vie, travaillez bien, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, voilà. Gros bisous à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde !